Ah la vache. Ingénieur agronome, j'ai commencé mon parcours en thèse, en travaillant sur la vache, plus précisément sur le rumen, ce premier compartiment digestif du ruminant, un peu plus de 100 litres chez cet animal, et plus précisément encore sur les microbes qui résident dans le rumen. La prise de conscience de l'importance de la relation entre l'animal et ses microbes s'est présentée à moi comme une évidence d'emblée et ne m'a jamais quitté depuis. Pourquoi ça? Eh bien parce que le ruminant, la vache, la chèvre, le mouton, dépend à 95% pour son énergie et à 80% pour ses protéines de l'activité microbienne dans le rumen. L'herbe qui est ingérée et ruminée tombe dans le rumen, c'est de la matière végétale, et sans la contribution des microbes, l'animal ne peut pas en tirer tous les bénéfices. C'est l'exemple typique d'une symbiose. Alors je suis Joël Doré, directeur de recherche à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, où je pilote des travaux qui visent à apporter une meilleure connaissance de la relation entre l'aliment, les microbes et l'humain, pour comprendre comment fonctionne cette symbiose finalement. Et puis j'ai la chance aussi, en expert du microbiote, de contribuer à la coordination du grand projet, le microbiote français, le French Gut, qui vise à recruter 100 000 volontaires en population française. Vous pouvez en faire partie pour caractériser leur microbiote, construire la référence nationale et en même temps mettre cette information en regard des habitudes alimentaires, des modes de vie et de la santé, bien sûr. Puis je suis aussi cofondateur et conseil scientifique auprès de start-up du domaine qui développent de l'innovation dans des volets aussi variés que le diagnostic pour GMT, la prévention, notamment dans les maladies du foie pour Novobiome, et ce que l'on appelle la microbiothérapie ou le transfert de microbiote fécal pour MaaT Pharma. Je suis un modeste scientifique et pourtant, pour cette fois, je vais vous dire, appelez-moi maître. Parce que je me propose ici de me faire l'avocat du microbiote et ce faisant, je fais de vous, mesdames et messieurs, les jurés d'un procès dans lequel mon client, le microbiote, souhaite faire reconnaître les agressions dont il a fait l'objet depuis 3 générations humaines. Alors qu'il est nous, qu'on est lui, et que notre préoccupation au quotidien devrait être de construire une relation conviviale et harmonieuse. Alors, si je connais bien mon client, c'est qu'il a été mon objet de recherche depuis mon tout début de carrière, il y a 40 ans. Autant vous dire, à ce moment-là, on n'en parlait pas beaucoup, c'était plutôt exotique. Ça a bien changé. Aujourd'hui, on sait que le microbiote est important, on sait qu'il nous apporte tout un tas de bénéfices. Et bien finalement, ma carrière m'a conduit à construire, apporter la connaissance du microbiote au fil des années. Alors je sais malgré tout que parmi vous, vous êtes nombreux à considérer que mon client, le microbiote, fait partie d'une bande d'agresseurs. Permettez-moi d'essayer de vous convaincre que les fonctions qu'il exerce sont essentiellement des fonctions protectrices et que, d'une certaine façon, c'est potentiellement un bienfaiteur. J'en citerai quatre. En un, mon client, le microbiote, nous aide à digérer les fibres alimentaires et, ce faisant, nous apporte des vitamines, des minéraux, des composés, des petites molécules bénéfiques pour le fonctionnement de nos cellules. En deux, mon client, le microbiote, exerce une action directe contre la prolifération des microbes de l'environnement. Pensez-y, quand vous mangez un morceau de fromage, c'est 100 milliards de microbes, des bactéries, des levures, des champignons, pas tous amis, et pourtant aucun d'eux n'a de chance de s'installer dans vos intestins tant que mon client veille au grain. En trois, mon client entretient en permanence la vigilance de notre système immunitaire, nos défenses naturelles, dont on a vraiment besoin, qui exercent cette fonction délicate d'intervenir à chaque fois que quelque chose peut tourner mal dans l'organisme, et qui pourtant apprennent, après la naissance, à reconnaître mon client comme normal. En quatre, enfin, mon client envoie des informations à travers tout l'organisme, vers des tissus et des organes aussi variés que le tissu adipeux, le foie, les poumons, le cœur, le cerveau. Le cerveau A. On parle parfois des intestins en disant c'est le deuxième cerveau. Pourquoi? Bien parce qu'ils contiennent des neurones, beaucoup de neurones. C'est le deuxième pool
de neurones après le cerveau d'en haut, mais aussi on sait qu'il y a une signalisation qui va du haut vers le bas qui peut nous causer un petit peu de soucis en termes de transit intestinal quand le stress est là, avec un examen par exemple. Mais on sait aujourd'hui aussi qu'il y a une signalisation qui va du bas vers le haut, on parle d'axe intestin-cerveau, et qui fait que mon client, le microbiote, contrôle, en partie au moins, la perception de satiété après un repas, la sensation de bien-être, ou à l'opposé, d'anxiété ou de dépression. On sait même que certains microbes intestinaux sont capables de produire des précurseurs de neuromédiateurs, comme la sérotonine, l'hormone du bien-être. Alors si j'ai la chance finalement d'exercer mon métier sur cet objet qui nous concerne tous, puisqu'on est tous microbiens, écosystèmes et symbiose, eh bien pourtant, je sais qu'on hérite de trois générations à travers lesquelles mon client le microbiote et plus globalement la symbiose ont été maltraités. Et ça a eu deux effets majeurs. Le premier effet, c'est un appauvrissement drastique de nos microbes intestinaux en termes de diversité et de richesse. C'est d'une certaine façon le volet occulte de la sixième extinction dont on parle en pensant insectes, poissons, oiseaux, mammifères. Ça concerne aussi les microbes. On le mesure formellement en science, en recherche, en comparant le microbiote de populations restées à l'écart de la modernité, comme des chasseurs-cueilleurs en Afrique ou des populations indigènes en Amazonie, par comparaison avec nos populations, nos microbiotes en population occidentale. Et ce que l'on observe quand on fait ça, c'est que nous avons perdu en Occident 50% de la richesse d'espèces bactériennes dans nos intestins. Puis le deuxième effet, c'est cette augmentation constante, incontrôlée, des maladies chroniques, les grandes pathologies de société moderne, qui font que l'Organisation mondiale de la santé parle d'épidémie et nous dit aujourd'hui qu'une personne sur quatre sera concerné par au moins une de ces maladies, souvent plusieurs en même temps, d'ici 2025, autant dire demain. Allons un peu plus loin. Si l'on zoome sur les intestins, eh bien cette perte de richesse et diversité, on la documente dans les grandes maladies chroniques. Et ce que l'on observe, c'est qu'elle fait partie de ce contexte de maladie. Et puis on a en regard, de façon assez systématique, une altération de paramètres de l'humain. C'est la perméabilité intestinale qui s'accompagne d'inflammation, qui s'accompagne de stress oxydant, qui peut elle-même altérer davantage encore le microbiote intestinal. On voit bien comment on peut avoir un cercle vicieux qui fait qu'on est dans un contexte où l'on peut basculer dans un état de symbiose altérée qui sera très compliqué à restaurer. Peut-être vous savez, mesdames et messieurs les jurés, que 15% d'entre vous aujourd'hui consultent un généraliste ou un spécialiste pour des problèmes intestinaux et que 50% d'entre nous, durant notre vie, auront à consulter des médecins pour des problèmes intestinaux. Alors, vous allez me dire, mais altération du microbiote intestinal, maladie chronique, où est la poule, où est l'œuf ? Effectivement, les travaux initiaux qui ont été réalisés, qui comparent des patients et des individus en bonne santé, ne nous parlent que d'association, de corrélation et pas du tout de causalité. La science permet malgré tout d'accéder à des éléments de causalité à travers le transfert de microbiote. Transfert de microbiote d'humains vers des animaux modèles, notamment de patients vers des animaux qu'on élève sans germes, et qui montrent que la reconstruction d'une symbiose altérée s'accompagne souvent d'une reproduction des symptômes de la maladie. Transfert de microbiote de l'humain vers l'humain, cette fois-ci à des fins thérapeutiques, qui montrent que le transfert de microbiote de sujets en bonne santé vers des patients permet souvent, parfois, de reconstruire une symbiose fonctionnelle et ce faisant de diminuer ou d'éliminer les symptômes de maladie, y compris dans des contextes de maladie ou de troubles neuropsychiatriques. Alors cependant, nos collègues mathématiciens, théoriciens des systèmes complexes, nous disent s'il peut y avoir un cercle vicieux qui s'installe, à ce moment-là, quelle que soit la source, quel que soit le point de départ de ce cercle vicieux, on va atteindre et peut-être dépasser des points de bascule et se retrouver dans un contexte où le retour à l'état initial sera potentiellement impossible. Pour les fans de changement climatique, finalement, ce dont on parle ici, c'est la même chose que les boucles de rétroaction qui nous disent le réchauffement induit la fonte du permafrost qui induit la libération de méthane, un gaz à effet de serre qui va aggraver le réchauffement. Ou encore, le réchauffement induit la fonte des calottes glaciaires qui induit
la diminution de l'effet d'albédo, accumulation de l'énergie solaire et aggravation du réchauffement. Donc on est sur des contextes bien connus. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment a-t-on pu à ce point altérer la symbiose entre l'humain et ses microbes? Eh bien, c'est une question compliquée, mais on peut proposer, on peut évoquer, pour ne pas dire invoquer, trois possibilités, trois causes. La première, c'est la modification, les changements de tout ce qui entoure la naissance. Ce moment si critique où le petit de l'humain va pour la première fois rencontrer le monde microbien et devoir développer dans le même temps son microbiote et son système immunitaire, ses défenses naturelles. C'est un moment de la vie où, au-delà du shoot assez copieux de microbes maternels qu'on reçoit à la naissance, eh bien, il faut qu'il y ait une rencontre avec une grande diversité de micro-organismes et on a petit à petit un peu interdit cette rencontre. Le deuxième volet, c'est la transition nutritionnelle, ce changement d'habitude alimentaire qui fait qu'on a réduit drastiquement notre apport de fibres alimentaires. Et on sait aujourd'hui que le Français moyen consomme autour de 17 grammes de fibres par jour, alors que la recommandation du nutritionniste est plutôt de 30 grammes. Et puis avec les fibres, avec la matière végétale, vient souvent de la couleur, c'est des polyphénols qui apportent également des effets bénéfiques. Puis le troisième volet, c'est l'augmentation de l'exposition à de la chimie environnementale à travers la pollution, à travers l'alimentation également avec les additifs alimentaires, une augmentation d'exposition qui est allée beaucoup plus vite que ce que ne peut gérer nos gènes, le génome humain, et qui donc expose directement mon client, le microbiote, à cette insulte. Alors, sur ces volets-là, on a simplement entraîné un retard de développement précoce à mon client, on lui a imposé un jeûne forcé et on l'a tout bonnement intoxiqué. Alors, mon client, bien sûr, s'insurge contre cette situation de maltraitance, et ce d'autant plus que l'on a les clés pour faire beaucoup mieux en termes de gestion de nos microbes et de notre symbiose. Tout d'abord, quand tout va bien, on a l'alimentation. L'alimentation à travers un apport riche et diversifié de fibres alimentaires et de microbes vivants. Les fibres alimentaires en richesse et diversité, pourquoi? Parce que nos microbes intestinaux ne voient pas arriver des carottes, des choux, des noisettes ou des betteraves. Non, ils voient arriver de la cellulose, des xylanes, des pectines, des amidons résistants, chacune de ces molécules complexes étant la clé d'une niche écologique qui va d'abord et avant tout servir un spécialiste, un microbe qui, à travers l'évolution, a acquis les compétences pour dégrader une molécule complexe. Pour la cellulose, un polymère très simple de glucose, en fait, il faut qu'une bactérie qui la dégrade possède au moins 20 gènes pour produire au moins 20 enzymes différents. On voit bien que c'est un spécialiste qui a acquis ses compétences et qui va défendre son territoire. C'est la même chose pour l'amidon, de la banane ou de la pomme de terre, ce sera un spécialiste. Ces spécialistes dégradent les molécules complexes et nourrissent le reste du microbiote intestinal en entretenant sa richesse et sa diversité. Et puis, dans l'alimentation, il y a aussi d'autres composés qui indirectement vont agir. C'est les acides gras, les bonnes graisses, en fait, les oméga-3 par exemple. C'est les polyphénols qui donnent la couleur à tous ces végétaux ou ces fruits. C'est également les minéraux, certaines vitamines qui vont agir sur les intestins, leur robustesse et se faisant protéger le microbiote intestinal. Avec quelques adaptations, quelques ajustements de nos habitudes alimentaires, on a la possibilité d'agir vraiment beaucoup sur notre microbiote et sur notre symbiose et potentiellement au-delà, comme on va le voir. Et puis, quand les choses vont un peu moins bien ou quand tout va mal, quand on est dans ce contexte de maladie chronique, le besoin est celui de reconstruire la symbiose humain-microbe et mon client devient à ce moment-là une ressource. C'est lui qui va pouvoir permettre de reconstruire effectivement. Le plus bel exemple est que le transfert de microbiote fécal entre aujourd'hui dans la pratique médicale et sauve des vies tous les jours. Qui aurait parié que reconstruire la symbiose par le transfert de microbiote allait pouvoir aider des patients à mieux gérer leur diabète, leur rectocolite hémorragique, leur maladie hépatique plus ou moins sévère, ou même des troubles neurologiques comme l'autisme ou la dépression? Qui aurait parié que le microbiote intestinal, avec le transfert de microbiote, allait permettre d'accompagner le traitement de patients pour un cancer, non seulement en diminuant les effets secondaires du traitement, mais également potentiellement en augmentant leur efficacité. Alors peut-être que vous me direz, comme mes enfants qui sont grands aujourd'hui, ma génération a tout autant maltraité la planète que nos microbiotes.
Et l'urgence aujourd'hui est peut-être tout autant, sinon plus, de faire mieux en termes de gestion de notre incidence sur la planète que sur nos microbiotes. Et ce qui me rassure, ce qui me console à titre personnel et professionnel, c'est que je sais que plus on fera pour mieux nourrir nos microbiotes, plus on fera pour mieux gérer notre symbiose, plus on fera pour la planète, pour diminuer notre impact sur la perte de diversité et sur la résistance et la résilience des systèmes vivants. Alors, mon client, ses cousins, en fait, les cousins de mon client, les microbes, sont sur la planète depuis 3,5 milliards d'années. Nous, humains, Homo sapiens microbiens, devrait-on dire, je pense qu'on se comprend maintenant, nous sommes arrivés il y a 300 000 ans. Autant dire qu'on a écrit les quelques lignes, les quelques dernières lignes de la dernière page du livre de l'histoire de la planète. Et ce que je peux dire, c'est que les microbes n'auront pas besoin des humains pour rester sur Terre. Autrement dit, mon client, et sans nous, il s'en sortira très bien comme il l'a toujours fait. Alors que nous, sans mon client, on aura beaucoup plus de mal. C'est peut-être même peine perdue. Donc autant accepter le fait que ce sont nos alliés pour l'humain et la planète. Vous m'avez écouté, peut-être m'aurez-vous entendu, peut-être ne direz-vous plus jamais « tous les microbes sont dangereux » ou encore « les nouveau-nés, les bébés ne doivent surtout pas rencontrer le monde microbien » ou encore « microbes et cerveau, rien à voir ». Non, je pense que ce sont vraiment nos alliés, j'espère vous en avoir convaincu. Mesdames et messieurs les jurés, permettez-moi de vous adresser mes salutations symbiotiques et de vous inviter à mettre un petit peu plus de végétal, de couleur, de ferment, de bonne graisse et peut-être un peu moins d'animal, de raffiné, de chimie dans vos assiettes, car ce sera l'humain et tout son environnement qui en bénéficieront. Si la question est, et sans moi, permettez-moi de vous poser la question, et sans eux. Merci beaucoup.